tous et bienvenue sur ma chaîne Folie Beauty ou bon retour parmi nous si vous êtes déjà abonné. Aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo haul donc avec quelques vêtements et ensuite d'autres produits beauté. Donc on va tout d'abord commencer par des vêtements parce que c'est ce que j'ai le moins et voilà. Donc c'est tout, donc on va commencer tout de suite. Donc tout d'abord j'ai acheté au cache-cache ce petit aussi, ce petit t-shirt avec le message écrit chieuse mais ambitieuse en blanc, un petit peu pailleté comme ça. Je l'ai acheté parce que j'aimais beaucoup le message qui était inscrit dessus. Je trouvais qu'il était vraiment... qu'il me représentait bien, donc du coup, voilà. En plus en noir comme ça avec le blanc, je trouvais que ça ressortait bien. Et en plus il avait une jolie forme portée, donc voilà. C'était un petit haut tout simple mais qui est joli avec un jeans ou même peut-être une jupe en jeans avec au printemps. Je pense que ça peut faire joli. Ensuite j'ai aussi acheté au cache-cache un autre haut, donc c'est ce aussi. Donc c'est un haut assez simple mais avec un joli détail aux manches, donc il a les manches coupées comme ceci. Et voilà, ça faisait longtemps que je voulais un haut comme ça avec les épaules dénudées mais pas avec les bretelles, ou dès qu'on fait un mouvement ou un élastique ça remontait tout de suite, alors que là non, c'est pas le cas parce que vu qu'il y a des manches longues comme ça, ça repose bien juste là où il y a l'épaule et du coup c'est pas embêtant quand on bouge et on remonte pas. Donc pour cela j'ai bien aimé. En plus quand j'ai vu la couleur haut, je me suis dit que ça c'était bien parce que c'était à la mode, et puis j'aimais bien un petit peu de couleur pour changer un petit peu toujours du noir. Par contre je l'ai acheté une taille habituelle au-dessus de ce que je porte parce que la matière est quand même assez près du corps et la taille en dessous était trop serrée pour cela. Donc faites attention si vous voulez acheter le même haut, essayez-le peut-être avant de l'acheter. Ensuite aussi toujours chez Cache-Cache, j'ai aussi acheté cette jupe-ci, non cette robe là pardon, donc c'est une robe comme ça. C'est une robe sans manches, assez légère qui sera je pense parfaite pour l'été. J'aimais bien le motif, c'est des petites étoiles comme ça avec des petits pois comme ça. Et aussi dans le dos, elle est ouverte comme ça, ici, juste ici, là, elle est ouverte. Il y a une petite coupure qu'on peut nouer aussi, resserrer dans le dos. Et elle est aussi resserrée à la taille, il y a aussi une ceinture. Donc je la trouvais jolie et puis je pense que pour l'été, quand il fera chaud, c'est assez agréable à porter puisque c'est une matière assez légère qui ne tient pas chaud, et puis ça faisait une jolie silhouette, donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Aussi j'ai aussi acheté au cache-cache ce petit lot là de collier, donc il y a celui-ci, c'est un petit choker noir en imitation cuir comme ça, là avec un petit flot, et aussi il était avec un autre, un petit tout délicat comme ça, un petit brillant comme ça qui fait comme ça sur la peau. J'aimais bien, je trouvais que c'était original et que ça changeait un peu, et puis c'était joli. Voilà, je l'ai vu plusieurs fois et je me suis finalement décidée à l'acheter. Donc là c'est tout pour les vêtements, je sais qu'il n'y en avait pas beaucoup. Et maintenant on va passer tout de suite à la beauté. Donc j'ai passé deux commandes sur le site venteprivée.com, donc c'est un site de vente privée et qui propose chaque jour des ventes de marques différentes qui sont disponibles que pour un moment réduit et qui proposent des produits donc à un prix moins cher que ce qu'on pourrait acheter nous-mêmes. Donc j'en ai passé deux, donc pour deux marques différentes. Donc tout d'abord j'ai passé une commande pour la marque de vernis Essie. J'en avais commandé 5 au départ, mais quand ils m'ont livré la commande, ils m'ont averti qu'il y avait deux références qui n'étaient plus disponibles. Mais c'est pas grave parce que du coup ils m'ont remboursé tout de suite après, donc c'était un très bon site qui est justement pour ce genre de problème est très réactif très rapidement et tout se passe bien. Donc si vous hésitez à commander, je vous le recommande à 100%. C'est sûr qu'il faut attendre un peu de temps entre la commande passée et de recevoir notre colis, généralement un mois, mais ça vaut vraiment le coup pour certains produits, et puis pour d'autres marques on a du mal à trouver quoi, ça vaut vraiment vraiment le coup, donc je vous le conseille. Donc pour revenir à la vente, donc du coup j'ai commandé les vernis ici, donc j'ai commandé celui-ci déjà, donc qui est un rose fuchsia assez flash, donc c'est le Bachelorette Bash. Ensuite j'ai aussi commandé celui-ci qui est plutôt un rose mauve comme ça, qui est Footloose. Et enfin j'ai aussi commandé ce vernis-ci, donc c'est un blanc cassé un peu comme ça, qui est le Coconut Curve. Donc celui-là, il appartenait à la collection été, il me semble, de l'année dernière, donc 2016. Et donc c'était pour ça aussi que je l'ai recommandé, parce que je l'avais déjà acheté l'année dernière et j'aimais bien la couleur. En plus, le blanc, on a besoin tout le temps quand on se fait les ongles.
Donc voilà. Il faut aussi juste savoir que les vernis là ici sont les vernis professionnels, donc du coup ils ont le pinceau fin et non pas épais et avec le bourron. Donc moi personnellement je préfère cela avec ce pinceau là qui est le pinceau rond, mais après la formule reste la même, donc ils tiennent toujours aussi bien, mais je préfère pour l'application les autres. Donc c'est à savoir quand si jamais une autre vente se représente et que vous voulez commander, il faut savoir donc les pinceaux. Ensuite j'ai aussi donc acheté sur une autre vente les vernis China Glaze. Donc je voulais savoir s'ils vendaient deux ou trois références que je savais très connues de la marque et que j'avais vraiment envie de tester, mais qui sont très durs maintenant à se procurer. Et quand j'ai vu qu'ils les avaient disponibles, je me suis dit bah voilà, il faut que je les commande. Donc tout d'abord c'est celui-ci. Si vous êtes dans le Nail Art, je pense que vous le connaissez. Donc c'est le Flip Flop Fantasy de chez China Glaze. Donc c'est un néon rose orangé comme ceci, qui est très très néon, ça se voit, et qui est maintenant très dur à se procurer, on a du mal. Et du coup quand je l'ai vu, je me suis dit c'est bon, je commande, c'est sûr. J'ai aussi commandé celui-ci qui est le Fairy Dust. Donc c'est aussi un vernis très populaire de la marque. C'est plus à utiliser comme un top coat, c'est un holographique linéaire, donc du coup avec des petites paillettes comme ça qui quand il y a de la lumière ça se reflète et tout, c'est très très beau. Et du coup quand je l'ai vu, je me suis dit allez hop, avec l'autre c'est parfait. Et franchement dans la réalité je ne suis pas déçue, ils sont très beaux. Ensuite j'ai aussi ajouté dans mon panier du coup celui-ci, donc c'est le Seduce Me. C'est un espèce de rouge framboise qui est très joli, un peu foncé comme ça, mais franchement j'aime beaucoup la couleur. Je pensais qu'il allait être un peu plus rouge, mais finalement je suis moins déçue parce que je trouve que c'est une couleur plus originale et que j'ai moins dans ma collection qu'un vrai rouge. Et enfin, pour terminer, j'ai aussi ajouté celui-ci, donc c'est le Frostbite. Donc c'est un bleu électrique avec des reflets mauves comme ça, absolument sublime. Il est vraiment très joli et je pense que sur les ongles il va faire très très joli et il aura une jolie couleur, surtout pour je pense l'hiver ou peut-être en été avec le, je pense qu'avec le néon ça peut faire pas mal. Ouais, ça devrait aller. Donc voilà, donc ça c'est tout pour les commandes sur vente privée. Donc si jamais vous hésitez, n'hésitez pas à essayer au moins une fois de commander sur ce site. C'est un très bon site, un très bon rapport qualité prix il livre c'est sûr, il faut compter à peu près un mois entre la commande et la livraison, mais franchement il n'y a pas de problème sur ce site. Ensuite, j'ai commandé quelques petites choses de Sephora. Donc, je vais tout de suite vous montrer ça. Donc, tout d'abord, j'ai commandé cette gelée micellaire démaquillante ultra douce, donc de la marque Sephora. Je l'avais eu en échantillon et je l'avais testée. Et franchement, elle démaquille très bien. Donc, du coup, j'avais envie d'acheter un peu plus grand format. J'ai pas acheté non plus le très grand format parce que je voulais voir, essayer sur plus long terme si je l'aimais bien. Mais en tout cas, sur l'utilisation de l'échantillon, j'étais convaincue. Donc, on va voir si ma peau réagit pas à ce genre de nettoyant. Donc, voilà. Ensuite, j'ai aussi recommandé mon fond de teint qui est le Too Faced Bronzy Sway en teinte porcelaine. Donc il ressemble à ceci, donc il est très connu. C'est ma deuxième bouteille. Je l'avais déjà acheté l'année dernière au mois d'octobre et je viens de finir mon premier flacon. Et vu que je l'aimais bien, je me suis dit que j'allais le recommander. Donc voilà. Ça c'est ça, c'est que j'ai tout recommandé parce que j'en avais plus. Ensuite j'ai aussi recommandé la crème cible de chez Tony Moly, donc c'est le Sleeping Pack, donc c'est le masque de nuit de la marque. Je le trouvais très bien, j'en avais déjà acheté un l'année dernière et là aussi je viens de le finir aussi. Et honnêtement il fait un joli effet sur la peau, il est très efficace, il donne bien la peau rebondie, donc c'est pour ça que j'étais convaincue et que je l'ai racheté. Ensuite j'ai aussi commandé un pinceau pour les yeux de chez Zoeva qui m'a été livré donc avec une petite trousse. Donc c'est le 231 Luxe Petite Crease, donc c'est pour le creux à paupières. De ce que je peux voir il est un peu plus dense et épais que ce que je m'attendais, mais en tout cas il est très doux, donc voilà. Ensuite j'ai aussi commandé pour finir le nettoyant là de chez Force Co, donc qui est une marque coréenne que j'avais vraiment envie de tester. Alors quand elle est arrivée sur Sephora France, je me suis dit il faut que je commande un produit. Donc c'est le Egg Mousse Soap, donc c'est le nettoyant pour le visage, donc qui est fait à base de blanc d'œuf et de jaune d'œuf. Donc c'est qui a
qui sort en forme de mousse à raser comme ceci. Donc bah, voilà. Donc je voulais tester un produit de la gamme et vu que j'avais pu nettoyer pour le visage, je me suis dit que j'allais tester ceci. Donc voilà. Eh bien écoutez, apparemment c'est tout pour mes achats. Je n'ai rien acheté d'autre. C'est un petit haul, je sais très bien, mais voilà, j'avais envie de partager avec vous ce que j'avais acheté. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez acheté bah, quelque chose récemment ou si vous voulez peut-être mon avis détaillé sur quelque chose, une review sur quelque chose. Dites-le moi en commentaire, je vous répondrai le plus vite possible. Et sinon, eh bien, on se voit très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé la chaîne. Bye !